Bonka. Bonka. Bonka is for Marwaha. Je sais pas par quoi commencer. Je viens de prendre un petit déjeuner pour ma dernière journée au Qatar, assez incroyable. Ici, je suis dans un endroit très particulier. Je vais vous présenter une femme qui a bougé les lignes ici au Qatar. C'est Cham Al-Choumous. Laissez-moi vous la présenter et elle va me montrer les cuisines et tout ce qu'elle a fait ici. Waouh, on vient de passer un moment assez dingue. Je vous rappelle donc l'adresse, c'est juste derrière moi, c'est Al-Choumous. C'est une place ici qui est incontournable. On y mange très bien. Mais c'est aussi parce que je viens de rencontrer bien sûr cette femme très inspirante qui a bougé les lignes ici, parce que c'est tout simplement la première femme à avoir monté son propre business ici au Qatar. Il y a un tout petit peu de vent. Alors là on est à Fuwairit, c'est une plage au nord du Qatar, à peu près 40 minutes de route. Et c'est une plage assez prisée ici, bon déjà parce que tu vois, l'eau elle est cristalline et c'est assez calme et assez sauvage. Et c'est aussi un spot assez dingue de kitesurf. Et là j'en vois déjà deux, donc je vais aller voir ça de plus près. Quel paysage! Alors, on est dans une des marinas de Doha et on rejoint un organisme qui loue des paddles, des stand-up paddles et des canoës. Donc voilà, c'est une activité aquatique qui va être assez sympa, dont j'ai un objectif, c'est de pas tomber à l'eau, c'est tout. Bonne balade! Écoute, merci hein! J'essaie de me mettre debout et c'est là que ça va être Kandak. Pas de chute hein. Non. T'as vu ce créneau, mais j'ai eu mon permis quoi. Impact. Très agréable, il fait bon. Du coup, ça fait du bien d'être dans des activités aquatiques honnêtement. Et puis, c'est un petit peu sportif quand même pour tenir sur les jambes, l'équilibre. J'aime bien cette activité. Opération jet ski. Opération jet ski. L'activité qu'on aime tous. Alors, cette petite sortie en jet ski. Pas mal. Des sensations. Il y a un peu de vitesse, il y a de la sensation. Et tu vois le paysage autrement vu par la mer, c'est pas mal. Ça y est, c'est l'heure du dernier coucher de soleil. Et pour ça, je voulais vous emmener dans un endroit très cool. C'est à Qatara, ça s'appelle le Beau Social. Évidemment, on peut boire un verre, manger un morceau et surtout la vue est sympa et le cadre va vous plaire, je pense. Je vous avais pas menti.
Je valide. C'est un mocktail, c'est sans alcool. Et c'est au fruit de la passion. Mais je me régale. Tu passes un bon moment ? Petite salade, je passe un super moment. La salade est délicieuse. On va à Katara. Katara, c'est l'endroit idéal pour faire du shopping. Donc on a toujours besoin de faire un petit tour et de ramener des souvenirs. C'est l'adresse incontournable pour y aller. En fait, ce qui est pas mal ici, c'est que il y a beaucoup de variétés d'activités. Bon, déjà, il y a plein de restaurants, il y a un marché de la mer, et puis il y a beaucoup d'activités le long du front de mer là. J'ai vu du beach soccer là-bas au bout, et là ce soir il y a de la boxe. Ça va fighter. Franchement, j'ai passé un super séjour, c'était top. J'étais venue il y a 4 ans et j'ai vraiment vu l'évolution ici de Doha notamment. On sent qu'il y a l'arrivée de la Coupe du Monde bientôt. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques bons plans pour vous amuser ici, à Doha et au Qatar. Et puis on se retrouve très bientôt. Et pour moi, il est temps de voyager.